l'éducation des enfants. Parce que Luc parlait d'éducation tout à l'heure. Et il disait ensuite, parce que bon, moi, ça fait un moment que j'entends Luc dire éducation, et bon, c'est petit à petit qu'en pratiquant. Lorsque nous concernons l'éducation d'un enfant, souvent, il n'y a pas longtemps, je suis allé rendre visite à de la famille, et dans là où ils habitent, j'ai remarqué que quand tu croises les gamins, ils te disent bonjour. Et donc, on parlait de ça avec mon épouse. Mais comment se fait-il que les enfants disent bonjour aux adultes qu'ils ne connaissent pas? C'est très rare de voir. Bon, nous, chez nous, en Afrique, ce n'était pas rare. C'est ça. Bon. Mais comment ça se fait que l'enfant parvient là? C'est, en pratiquant, tu regardes bien, tu vois que le parent, avec l'enfant, s'est retrouvé un jour avec un adulte. Et c'est dans cette situation-là qu'il lui a dit, il faut dire bonjour aux adultes. C'est ça. Le parent n'a pas pris l'enfant de 7h à 8h pour lui dire « Je vais t'enseigner, il faut dire bonjour aux adultes. » Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est un beau jour, soit il y avait le parent, l'enfant et un autre adulte, et le parent a remarqué que l'enfant n'avait pas dit bonjour. Et il lui a dit « Attention, quand on rencontre un adulte, on leur dit bonjour. » Donc c'est dans l'événement que tu reçois l'instruction. C'est dans l'événement. Et on le voit nous-mêmes pratiquement. Là, tu prends l'exemple de l'enfant, c'est clair. Comment tu éduques l'enfant? C'est dans les situations que tu vis avec lui. C'est dans ces situations-là que tu dis, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est pas comme... Mais le père fait exactement la même chose. C'est ça. Il fait exactement la même chose avec nous. Et donc, si, donc, une fois que nous avons conscience, comme dit Luc, cette conscience-là, nous avons besoin qu'elle soit éveillée dans l'événement. On a besoin qu'elle soit en éveil dans l'événement. Ce qui fait que, enfin je parle pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais lorsque je constate que ma conscience n'a pas été en éveil dans un événement, je le constate a posteriori, ma prière devient père, synchronise cette affaire. Synchronise cette affaire que j'ai la conscience au moment de l'événement. C'est dans l'événement que j'ai besoin de la conscience en éveil. Et il se trouve que lorsque tu es à traverser l'événement avec la conscience en éveil, je ne sais pas te décrire la technique, ben après, tu n'es pas le même. Comme l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, tu verras que quand il rencontrera un adulte, même c'est pas là, il va dire bonjour. Non, même dans la rue. Hein. Oh, ben oui. Voilà. Mais pourquoi cet enfant reçoit cette instruction que tu lui as donnée? Mais parce qu'il considère que ce qui vient de toi est bon. C'est ça. C'est la seule raison qui fait que ça marche. Donc si le père, quand il te donne la conscience et quand il te donne l'instruction, si tu la rejettes, c'est pour ça qu'il lui dit quelque part, ne rejette pas l'instruction du père, de la mère. Si je n'accepte pas l'instruction, je ne vais jamais l'appliquer. J'ai beau avoir la conscience d'être tout ça, si je n'accepte pas l'instruction, c'est-à-dire en gros, quand je dis « j'entendons-nous », si l'homme extérieur en moi arrive à me convaincre que cette instruction n'est pas bonne, à convaincre l'embryon, ça veut dire que l'embryon qui est la source d'énergie, a consenti à laisser cette parole-là s'énergétiser. C'est ça, c'est identifié. Et c'est là que le consentement joue. C'est-à-dire que mon consentement est le filtre par lequel l'homme extérieur en moi, l'énergie est bloquée pour que ses aspirations ne soient plus nourries. Donc, l'instruction, j'ai la conscience, j'ai l'instruction, j'ai le consentement, etc. Bon, petit à petit, le père nous donne ça. Luc parlait de désir. En fait, quand je reçois l'instruction, ça me permet de voir où est-ce que j'en suis par rapport à une situation que je vis. L'écart entre où est-ce que j'en suis et l'instruction que j'ai reçue est une source de désir pour celui qui veut marcher. Ça crée un désir dans celui qui veut marcher. Ça crée un désir, ça crée une aspiration, ça crée une attitude, une vocation. Ça crée une attraction. Parce que tu vois bien que tu es là et c'est ça que tu veux. Et tu vois les deux clairement. Avant, tu ne voyais ni ça, ni ça. Tu ne voyais ni l'aspiration, ni ce que tu es. Mais la lumière du Père te met les deux ensemble. Mais ça crée l'attraction. Tu as le désir, comme dit Luc là. Tu désires. Mais ce désir devient palpable, devient concret. Ce n'est plus une abstraction. C'est quelque chose que tu vis. Comme, je ne sais pas, je prends cet exemple, mais je ne sais pas, une femme qui voit une paire de chaussures ou qui voit une veste et qui pense plus qu'à ça, il faut que je l'achète. Il y a un désir. Et bien là, c'est pareil. Je dis, tu vois ce que tu dois être, tu vois ce que tu es. Tu dis, il faut que je le sois, il faut que je le sois. Et donc, ça devient un sujet de prière. Et en fait, c'est cette prière-là qui, pour moi, est l'instrument
c'est-à-dire la manivelle, le volant que le Père utilise pour nous conduire. Quand je dis je marche, c'est pas moi qui marche. La voiture, elle peut pas marcher si je pédale pas. Mais il me faut une pédale. Il me faut un volant. Le Père a besoin d'un volant en moi pour me conduire, pour me piloter. Et ça, c'est le désir. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on va appeler le consentement. Donc, le Père va me conduire avec ce désir. Et cette conduite va pouvoir se faire parce que je consens. Chaque fois que le Père va tourner à droite, je ne vais pas lui dire non, 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 c'est à gauche. Il va tourner comme il veut. Et il va amener où il veut. Et qu'est-ce qu'il fait? Je consens. J'ai juste besoin de savoir si c'est le Père qui est volant. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et je ne considère pas si on est entré dans la boue, s'il pleut, ce n'est pas mon problème. Mon seul problème, c'est qui est au volant. C'est-à-dire, en ce moment-là, le jeu dont parle le frère Armand cesse d'être le faux homme. C'est-à-dire, ça cesse d'être l'homme extérieur à l'intérieur. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça devient l'homme réel à l'intérieur, qui commence maintenant, avec les ressources que le Père lui donne, de consentir. Parce que lui, il commence avec lui. Et c'est ça qui alimente l'étouffement continu du faux, jusqu'à ce que le faux soit ait disparu. Et le faux, on dit là, la mort. Mais tant que le jeu renvoie à l'homme extérieur, lui ne peut pas se soumettre. Donc il faut que l'homme intérieur, comme disait quelqu'un, si vous êtes réveillé avec le Messie, recherchez donc votre identité qui est en haut. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Recherchez. Donc là, on commence à parler maintenant à l'homme intérieur. On commence à rentrer. Donc on ne se confond plus avec l'homme extérieur. Et la transformation que le Père opère devient rapide. Au rythme même de la rotation du temps. Parce que le temps et tout le reste sont faits pour ça. Mais ce mécanisme-là, l'homme extérieur dedans ne peut pas volontairement s'y soumettre. Parce que ça menace ses intérêts. Je dis l'homme extérieur dedans ne peut pas s'y soumettre. Parce que ça menace l'idée de ses intérêts. Ça le tue comme Dieu. Donc l'homme extérieur dedans considère ça comme un cycle d'humiliation. Donc, et ça, c'est vraiment ce qui me touche. Hier, on a parlé par rapport au Messie. Donc vous voyez clairement l'homme réel, l'homme intérieur qui consent, qui se définit, qui a pour miroir le Père. Donc aucun événement auquel il est confronté, il ne le vit comme une humiliation. Au contraire, comme une faveur qui l'amène dans la gloire. Mais qu'est-ce qui nous amène à vivre des situations comme humiliation? C'est que c'est l'homme extérieur dedans qui considère que ces situations viennent l'humilier, viennent l'amoindrir, viennent le dépouiller de sa gloire. C'est pas, vous voyez, c'est ça, c'est l'homme extérieur dedans qui se comporte comme ça. L'homme extérieur, c'est ce qu'on appelle aussi la chair. Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est le vieil homme dont nous parlons. C'est-à-dire que c'est une compréhension de nous qui est fausse, mais qui vient de l'extérieur. Parce que c'est cette compréhension, en fait, qui nous rend dépendants de l'extérieur. C'est elle. Parce que vous voyez bien que la société, nous le disions aujourd'hui, mais c'est un être vivant, c'est une force, c'est une puissance. Donc quand c'est son germe, quand nous sommes son germe, nous sommes son germe, on lui est dépendant. Quand nous sommes son germe, on lui est dépendant. Parce que son germe à l'intérieur de nous ne peut pas se chercher ailleurs que chez lui. Donc c'est ce cordon-là qui doit être coupé pour que l'homme intérieur rentre dans son identité. C'est ça. Donc l'homme extérieur, disait l'apôtre Paul, il dit bien, celui qui est, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est rendu conforme au Messie. On parle de l'homme intérieur qui rentre dans l'identité de son Père par le Messie. Il dit bien, c'est une chose que la chair rendait impossible. La chair, c'est cet homme extérieur dedans. Il dit pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se soumettre à Dieu. Il n'est même pas fait pour se soumettre. Il a une fonction, bien sûr, parce que c'est une énergie, a une fonction, c'est de faire un roi. C'est-à-dire, c'est d'élever l'homme intérieur à la gloire. Mais sa fonction n'est pas de consentir. Oui, c'est ça. Donc il ne peut pas se soumettre. Et par ailleurs, dans Galates, il dit bien, la chair a des désirs contre l'esprit, des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, c'est cet homme extérieur dedans. Et l'esprit en a des contraires. L'esprit, c'est l'embryon dont nous parlons. Il en a des contraires à ceux de la chair. Donc pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez, que vous soyez amené à vous définir, tu te définis
à partir de l'homme extérieur ou alors à partir... Voilà. Que tu sois amené à te définir. Tu ne peux pas épiloguer entre les deux mondes. C'est-à-dire, soit tu prends conscience de toi par rapport au Messie, il devient ton miroir, l'homme extérieur qui est une énergie utile, il t'amène dans la question des forces. Soit tu dis que ton miroir c'est l'homme extérieur, tu te positionnes. L'image que je vous faisais en fait de l'homme extérieur et de l'embryon, c'est un peu comme si, par rapport à leur coopération, si on prend un smartphone par exemple, la batterie, l'énergie est dans la batterie. Tu as des applications dessus, etc. D'accord ? Il te met plein d'applications. Mais la batterie est dans l'embryon. C'est ça. Sans la batterie, les applications ne peuvent pas fonctionner. C'est ça. Tout à fait. Oui, ça c'est... Vous comprenez ce que dit le frère Armand, non ? Par exemple, c'est-à-dire que je peux prendre une image... Oui, juste je termine. Et donc, le smartphone, le comportement du smartphone, mais c'est les applis qu'il y a dessus. C'est ça la personnalité du smartphone. C'est ça. Mais la batterie qui est dedans, c'est elle qui fait tourner les applis. Et l'impie sait que c'est pour ça qu'il a besoin d'apprivoiser l'embryon. C'est comme ça. Parce qu'il y a une énergie immense dedans. Voilà. Mais c'est cette énergie, matière première. Il faut qu'elle serve à faire tourner ses applis à lui. C'est comme ça. Oui. Non, mais en fait, c'est juste, c'est vraiment génial ce qui est dit. Vraiment génial. C'est pas, nous comprenons. Hein. C'est-à-dire, prenons l'exemple. Par exemple, tu n'as pas d'embryon mâle, d'embryon femelle. Il n'y a pas possibilité de croisement dans Satan pour l'aider à se multiplier. Et ce que on veut dire. Donc, c'est la batterie, justement. Donc, c'est pour ça que, je vous dis, c'est-à-dire que on nous a fait croire, quand vous voyez bien, j'ai dit l'embryon, hein, on a fait croire que c'est l'embryon qui dépend de l'état, c'est-à-dire Satan. Mais c'est Satan qui dépend de l'embryon. C'est-à-dire, l'embryon, c'est sa béquille. Parce que s'il n'est là pas, il n'est pas. Donc, c'est ça. C'est ça. En fait, vous êtes en train de décrire le système pyramidal, en fait. Oui. Et quand on a la compréhension renversée, on pense que c'est la base qui dépend de l'élite. Alors que quand on comprend bien, ben, l'élite, elle est en haut, elle s'appuie, elle a besoin de la masse pour être en haut de l'échelle. Mais si la masse sort, ben... C'est tout, c'est le fondement, oui. Donc en fait, moi je voulais aller plus loin, parce qu'il y a le smartphone, il y a la batterie, oui. Il y a les applications. Oui. Simplement, l'embryon, il peut être perméable. C'est là où intervient le consentement. Donc maintenant, si la batterie est défectueuse, parce que lui, le smartphone va considérer que la batterie est défectueuse, vu que la batterie ne sert plus vraiment. Parce que là, de toute façon, si on la recharge, elle repart. Elle repart et les applications vont se remettre en marche. Donc, il faut que la batterie soit changée. Quand je parle de changer, qu'il y ait un défaut, parce que pour le smartphone, c'est un défaut. Pour les applications du smartphone, c'est un défaut de batterie. Donc, ça ne peut plus fonctionner sur ce smartphone-là. Il faut une autre batterie. Mais celle qui ne fonctionne plus, c'est la vraie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Celle qui ne fonctionne plus, c'est la vraie. Parce que si jamais elle se remettait à fonctionner, mais elle fonctionnera pour faire marcher les applications de ce smartphone-là. Il le reconnaît. C'est ça. Maintenant, c'est quand l'embryon n'est plus perméable. Quand il n'est plus perméable, le smartphone ne peut plus fonctionner. Oui, 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 bien ses sûr. Ses applications sûr. Ne peuvent plus voilà, du tout fonctionner servir, parce que... Il peut plus servir voilà, il ne sert plus à rien. Il ne peut plus servir. Et là, imaginons que si vous avez, dans le cas dont elle parle, vous avez 7 milliards d'individus. Donc, l'autre n'a plus la poussière, en fait, des batteries, qui constituent une source d'énergie importante. Donc, l'autre ne peut plus se servir. Il disparaît. Il n'est plus. Oui. C'est ce que je veux dire. Donc, prenez ça comme l'état. Il n'est plus. Donc, en fait, c'est même là la menace. Hein. C'est-à-dire, la menace ici, c'est que ces batteries-là arrivent à être mises hors de tout contrôle de l'autre. Parce que, mises hors de tout contrôle, parce qu'elles sont ramenées vers le Créateur. C'est là. C'est là même où on voit pointer, en fait, les autres vont pointer la menace. Donc, il faut tout faire, parce que ces bactéries que nous disons l'embryon, il faut bien qu'elles sortent de la phase embryonnaire. Parce qu'embryon, par définition, ça veut dire que quelqu'un qui est vraiment en deçà de ses potentialités. C'est ça. Donc, le Créateur doit le doter. Donc, par conséquent, il est ignorant. Donc, il est exploitable à dessein.
S'il consent même à faire fonctionner le mal, ce n'est pas volontairement. C'est parce qu'il est vraiment dans un état d'ignorance totale de ses potentialités. Donc, plus il rentre dans ses potentialités, on dit bien dans le message, mais il prend conscience que mais l'autre, c'est même lui qui est appelé à être dépendant de moi. Donc, ça renverse tout. Et dans le cas où Chantal parlait là, c'est que, admettons que c'est une batterie qui a, fonctionne avec des milliampères. Oui. C'est à bas niveau, en fait. Hein, c'est là l'état d'embryon. Quand il commence à rentrer dans un état de fonctionnement supérieur, on va dire par exemple 5 ampères, oui. Ben, tout ce qui fonctionnait dessus crame. Oui. Parce qu'en fait, il a une énergie supérieure au fonctionnement de... C'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais, donc c'est là où on voit la bonté du Créateur hein, pour l'homme. Quand le Créateur parle, il pense l'homme. C'est extraordinaire. Et aussi là où on peut comprendre comment l'ingéniosité du système des nations, notamment avec la... Parce qu'ils perçoivent bien le mystère dont nous parlons. Hein, ils le perçoivent. Bon, donc c'est pour ça, en fait, que l'ingéniosité de l'État, c'est d'être capable d'assurer sa pérennité en faisant en sorte que les batteries ne lui soient pas arrachées. C'est ça. D'être capable d'assurer sa pérennité. Parce que si les batteries sont arrachées, ben c'est l'effondrement. Donc il faut être capable. Ça veut dire qu'il faut entretenir cet état d'embryon, si vous voulez, l'ignorance. Il faut l'entretenir pour faire croire à l'embryon, si vous voulez, dedans, que l'homme extérieur, c'est lui. Et lui, c'est l'homme extérieur. Comme ça, ben... il devient un outil qui défend les intérêts de l'homme extérieur qu'il croit être ses intérêts. Il faut être capable. Il faut être vraiment un grand sorcier pour être en mesure de domestiquer des milliards d'individus comme ça. Oui. Et on voit un parallèle, par exemple, dans les rapports entre États, qui sont en fait des esprits, comme l'expliquait Luc, les pays africains dans les années qu'on dit d'indépendance, notamment ceux qui étaient sous la tutelle française. Lorsqu'ils ont accédé à l'indépendance, comme on dit, il y a des pactes ou des contrats qui ont été signés avec la France. Et dans ces pactes-là, c'est pas, il n'y a pas 10 000 choses, il n'y a pas 10 000 clauses. Il y a 3 clauses. Et parmi les clauses, c'est tous les programmes scolaires. C'est nous, la France, qui définissons. On voit l'éducation, on voit la force, ils comprennent les choses spirituelles. Ils disent, l'éducation, c'est nous qui définissons. Ils disent, les ressources du sous-sol, là. C'est nous qui contrôlons. C'est à nous. La batterie, c'est à nous. Les ressources du sous-sol, c'est à nous. Troisième chose, ils disent, tout ce qui est militaire, défense, là, c'est nous qui assurons ça. Vous êtes indépendant. Ouais. C'est exactement ce que l'homme extérieur en nous fait. Il fait exactement la même chose. Il prend l'énergie. Il dit, c'est moi qui te protège. Hein. Ouais. Hein, moi, je connais ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon, les dangers, les risques, les opportunités. Laisse-moi faire. Donc, c'est moi qui dois t'éduquer. Hein. Tu vois, toute la défense extérieure, c'est moi. D'accord. Donc on voit bien, et puis l'éducation, bon, Luc a bien expliqué, voilà. Non, je veux dire, c'est exactement la même chose. On voit le même esprit, quoi. Elohim, personnellement, parce que j'ai beaucoup reçu, j'avais une autre idée, on tourne tout autour de l'éducation. Là, pour mes petits-enfants, j'ai l'air dit souvent que malgré que vous êtes des chrétiens, je les appelle déjà. Ouais, j'ai un médecin. Ouais. J'ai pilote et j'ai fait des économies. Hein. J'ai ouvert des comptes en banque. Juriste, juge, je les appelle comme ça. Je les appelle pas par leur prénom. Il y a Nathanaël, Keren, mais je les appelle par docteur. C'est ça. Elle a déjà son compte. Pilote, hein, Nathanaël, il a déjà son compte. Le commandant, la juge qui est mon homonyme. Donc vraiment, ça m'interpelle. Je suis vraiment, vraiment, vraiment interpellée ce Shabbat. Parce que déjà, je pars déjà chez eux. Donc maintenant, je pars avec un autre regard. C'est pour cela que vraiment, je bénis l'Éternel pour ça. Parce que là, je pars vraiment bien armée. Pas bien armée, mais je commence encore. Je vais continuer toujours à vous appeler. Parce que ça me tourne dans la tête. Comment je peux appeler déjà mes petits-enfants pilotes, avocates, médecins? Et déjà des comptes ouverts. Une identité de ce monde. Oui.
malgré que je crois, entre guillemets, croyante, j'ai déjà construit. Franchement, c'est... C'est là où, vous voyez, on a été beaucoup trompés par les termes. Parce que notre, ce qui révèle la source de notre croyance, c'est l'identité que nous portons. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que comme nous l'avons dit, lorsque les repères que nous avons reçus ont construit en nous l'identité de l'homme extérieur, dont Satan. Mais Satan en moi ne peut pas croire au Créateur. Il croit en lui-même. Quand je me définis comme croyant, mais il est, il m'a, j'ai été programmé pour l'adorer. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière que quand vous voyez la manière dont le Créateur construit son identité dans son Fils, il est en train de construire un adorateur de lui. C'est-à-dire que c'est pour ça que le Messie disait que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent mon Père en esprit et en vérité. Donc, dans le terme, ce qu'il veut dire, vous ne pouvez pas être adorateur de mon Père si vous êtes d'une identité contraire à lui. Lui-même, en vous, s'adore. Donc, l'autre a fait l'inverse. C'est-à-dire, quand vous voyez bien l'école, sur le plan global, a pour objectif de fabriquer les adorateurs de Satan. Voilà. Donc, quand ce genre-là se retrouve... C'est, il sait que c'est lui qui est à l'intérieur. Mais il faut se cacher à l'intérieur en utilisant les mots croyant, chrétien. Pourtant, c'est lui-même dedans qui s'adore. Donc, c'est ça. Avec le discernement, vous le percevez clairement. C'est pour ça que le Messie disait aux pharisiens, quand lui sait clairement que c'est Satan qui est dans les pharisiens, et c'est Satan qui s'adore, il dit, votre père n'est pas mon père. Votre père, c'est le diable. Vous parlez comme lui. Vous manifestez ce qu'il est. Donc, la croyance n'est pas détachée de ce que nous sommes. La croyance de notre identité, notre personnalité, la croyance, c'est ça. Donc, quand vous faites 7 milliards d'individus programmés, vous avez construit en eux l'identité de Satan. Ce sont les croyants en Satan. Vous voyez bien? Donc, voilà, ce sont les croyants en Satan. Donc ce qui se passe, et ce type d'individu, vous voyez bien que lorsque l'homme, l'embryon, rentre dans l'identité du Créateur, parce que ce dont le Créateur dote l'embryon, ce sont des éléments qui constituent sa personnalité. Le Créateur, c'est le principe du talent. On dit la parole. La parole renvoie à la somme des facultés à partir desquelles le Créateur a tout appelé à l'existence. Donc plus tu rentres dans cette dimension-là, tu ne peux pas penser ton enfant à partir des éléments ordinaires, mais à partir des éléments extraordinaires. Vous voyez, donc ce qui montre clairement qui nous sommes. Bon, maintenant, si je suis hors du Créateur, ce qui est ordinaire va devenir pour moi extraordinaire. Donc les démons deviendront des êtres extraordinaires. Donc l'adoration, que ce soit Satan, vous ne pouvez pas l'adorer réellement, de manière réelle, étant hors de lui. C'est-à-dire les vrais adorateurs de Satan, efficaces, hein, ce sont ceux qui portent sa personnalité, qui sont à des degrés de conscience très avancés de lui. C'est pour ça que vous pouvez voir tout ce que nous voyons le monde formé. Par exemple, les hommes politiques les plus puissants sont parmi les véritables adorateurs de Satan et qui entraînent tout le peuple à l'adoration de Satan. D'ailleurs, vous voyez dans l'Apocalypse ce qui est dit, le faux prophète et les rois de la terre ont marié la population à Satan. Mais pourquoi ils occupent des fonctions très élevées? Parce qu'ils sont des adorateurs conscients. Donc, l'adoration n'est faite avec efficacité que quand le sujet qui adore est conscient. Enfin, elle est faite avec efficacité qu'en esprit. Voilà. En esprit, en un mot. C'est comme ça. Dans l'esprit de Satan, c'est comme ça. Donc, il faut bien comprendre que le mécanisme qui est mis sur pied, c'est pour fabriquer les adorateurs de Satan. C'est ça la religion, mais en fait ça ne se limite pas à ce qu'on appelle religion. Hein. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de religion en dehors de l'État. Donc les garants même de la religion, si vous voulez bien, les garants de la religion, c'est vraiment, on peut dire, ce sont les politiciens de haut calibre. Il y a, vous voyez, religion, c'est établir le lien entre l'humanité et Satan. Voilà, maintenant... Il y a un ensemble de maillons qui sont utilisés pour réaliser cette mission. Donc, la famille en fait partie. C'est l'un des maillons de la religion. La preuve, c'est le témoignage que la chair rend. La famille en fait partie.
C'est-à-dire que la famille elle-même n'est pas en dehors du mécanisme religieux. Donc, quand l'enfant rentre là, nous sommes des prêtres. Soit au travers desquels le Créateur ramène l'esprit vers lui, ou alors l'autre commence à poser les premières bases identitaires de l'enfant. Donc, c'est pour ça que la famille, c'est un micro-État dans l'État. C'est ce qu'on appelle la réelle politique. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Donc, quand on dit religion, il ne faut pas voir au niveau des dénominations. Non. Les dénominations, notamment les dernières venues des dénominations, ce sont les moindres maillons. C'est-à-dire, je dirais, avec un pouvoir insignifiant. Les maillons les plus puissants, tels que vous voyez bien la pyramide. Donc, c'est ça. D'ailleurs, que vous verrez, dans les dénominations dernières venues et les gens qui sont dedans, en fait, le concept qu'ils ont du bonheur, de la gloire, de la bénédiction vient de l'État en haut. Donc, ce qui montre clairement qu'ils ne sont pas les constructeurs de la doctrine à partir desquels ils enseignent. La doctrine vient de plus haut. Et elle envoie à Satan. Ça peut être un lien à prendre, mais je me venais avec. Enfin, je considérais. On va dire ce que fait Satan, quoi. Oui. Tout ce dont on parle, là, oui. Le fait qu'il s'empare des armes, oui. Etc. Et Elohim, nous savons qu'il a un projet. Que ce projet, si on l'appelle en un mot, c'est le Mashiach. Tout se retrouve dans le Mashiach. Satan, il a. En fait, il n'est pas créateur. Donc, il ne peut même pas avoir un projet. Il est réactionnaire. C'est ça. Il a donc, lui, dans sa démarche, un contre-projet. Donc, il n'a pas de projet, il a un contre-projet. Ça veut dire que il cherche à se déployer pour résister, pour se rébeller de la connaissance qu'il a du projet d'Elohim. Il n'a pas une connaissance complète. Mais la connaissance qu'il a du projet d'Elohim est l'inspiration de son contre-projet. Et en fait, par ailleurs, il connaît son destin. Il connaît son sort. Donc, en définitive, toute cette construction qu'il fait en nous, l'homme extérieur, etc., c'est pour nous associer à son destin. C'est la finalité de tout ça. C'est pour nous donner le même destin que lui, c'est pour qu'on soit solidaire dans son destin. Vous avez compris, non? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit le frère Armand se résume sur ce qu'on a appelé le projet maçonnique. Projet maçonnique. Parce que vous voyez bien que lorsque vous avez un maçon, c'est-à-dire un constructeur de maison, un architecte, bon, le frère Daniel ou Armand, il m'a recruté comme maçon pour construire sa maison. Je termine l'ouvrage et puis. Édouard, lui, vient et dit au frère Armand ou à Daniel que moi, je suis un vrai maçon. Un vrai maçon. C'est-à-dire, il est en train de contester mes talents, les talents qui m'ont amené à réaliser l'ouvrage. Je sais pas, vous voyez bien. Donc, c'est ça. Donc, en réalité, que ça veut dire que lui, il a un projet pour la réalisation de cet ouvrage qui est totalement à l'opposé de ce que j'ai fait. Voilà, donc comme il disait, pour le Créateur, l'homme, vous avez vu le Messie. Donc le projet maçonnique, il vous donne un autre projet de l'homme. Un contre-projet, un contre, mais qui s'inspire du vrai. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous voyez bien l'État, c'est un contre-projet. Totalement un contre-projet. C'est-à-dire, on vous amène à vous réaliser, on vous parle aussi du bonheur, on vous parle aussi du succès, de l'intelligence, mais totalement à l'opposé du réel. Donc c'est ça la maçonnerie. Donc c'est ce qui fait que la plupart des gens ne savent pas qu'ils sont des francs-maçons sans le savoir. Donc en fait, le produit même de la maçonnerie. C'est-à-dire quand on voit les termes même qu'on utilise. Il y a un journaliste dernièrement au Cameroun à la radio. Et quand je termine la conversation avec lui, c'est un franc-maçon conscient, dont tout le monde connaît. Après, il se tourne vers moi, il me pose la question. Il me dit, pasteur, moi aussi, je suis franc-maçon. Je lui dis, votre langage même le dévoile. Il dit, je n'infirme pas, je ne confirme pas. vous voyez, donc en réalité, vous voyez bien que même notre langage, notre démarche, notre fonctionnement montre clairement que nous sommes des francs-maçons inconscients.
Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire que l'idée que nous pensons de nous est totalement à l'opposé de celle que le Créateur a de nous. Ouais, donc c'est ça que on parle. Donc on peut le voir clairement dans les termes, dans les prières, dans les invocations. On le voit s'exprimer. En fait, on peut dire des antimachas. Des antimachas, oui, en quelque sorte. C'est-à-dire les hommes contraires, si vous voulez. Les hommes contraires. Parce que tous ces termes-là, quand on dit tous ces termes-là, quand on rentre dans leurs racines réelles, quand on parlait d'un Messie, on parlait d'un Ouin. C'est-à-dire un esprit dont le Créateur a doté de cette faculté, de ses talents. C'est ça le Ouin. Bon, et vous verrez, le terme est utilisé au singulier et au pluriel. Au singulier, renvoyant au Messie, et au pluriel, à tous ceux qui rentrent dans l'identité du Messie, où le Créateur dit « ne touchez pas à mes Ouins ». Donc, pour le Créateur, un Ouin, c'est l'homme réel, l'esprit accompli, qui n'est plus dans l'embryon, qui est sorti de l'embryon pour rentrer dans son identité. On dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. On peut dire, il se tient dans l'assemblée des ouins. Ne touchez pas à mes ouins. Bon, maintenant, si nous avons en nous une personnalité qui ne vient plus du Créateur, on est ouin, mais des faux ouins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est de là où vient le terme homme contraire ou anti-macha. On est des ouins, mais des faux ouins. C'est-à-dire des hommes contraires, des anti-hommes, des anti-messies. C'est ça. Bon, or, ces termes-là ont été entièrement mystifiés même dans les écrits qu'on lit. Parce que c'est pour ça que l'apôtre Jean dit, il y a un faux homme qui doit venir dans l'univers. Le terme est traduit par un antéchrist. Mais avant ça, le monde est peuplé de faux hommes. Vous voyez bien? Il y a un faux ouin qui doit venir. Mais avant, parce qu'il doit régner sur les faux ouins. Parce qu'il ne vient pas régner sur les arbres. Il vient régner sur ceux qui se reconnaissent en lui, qui portent son identité. Donc il faut d'abord que toute la terre soit peuplée de faux hommes. Et alors il va venir. Et on voit clairement comment. C'est là. Oui, bien sûr. Oui, c'est là. Mais maintenant, si le Père ne nous ouvre pas les yeux, vous allez le lire, vous allez voir ça ailleurs. Quand on dit Antéchrist, toi tu vois ailleurs. C'est pas que, mais tu es même la forme. Oui. On voit les autres. Voilà. Donc c'est ça. Et ça, il n'y a pas de politique en dehors de ça. Hein. C'est-à-dire, en fait, le rôle de la politique, les vrais hommes politiques, leur rôle, c'est de fabriquer des faux rois, des antéchrists. Il n'y a pas de politique en dehors. C'est-à-dire, la politique, c'est un projet de société. Et ce projet de société tourne autour de qui? Mais de l'homme. Quand nous réalisons que, en fait, nous sommes tellement emprisonnés dans la compréhension de l'impie, c'est chaque jour qu'il y a un copeau qui se dégage, quoi. C'est comme un oignon. On enlève un copeau et puis hop, c'est encore un autre copeau derrière. Des fois, tant qu'il est, et voilà. Et quand nous prenons le mot contraire, par exemple, quand on regarde, on voit que si je dis qu'une chose est le contraire d'une autre chose, je suis en train de dire en quelque sorte que les deux choses sont dans la même sphère. C'est ça. C'est ça. Et maintenant, quand on regarde les choses qu'Elohim nous parle, on parle des choses Elohim comme étant le contraire des choses Elohim. Mais en fait, il faut faire attention parce que Elohim, en fait, si nous faisons pas attention, on est en train de mettre de côté la souveraineté d'Elohim, en fait. Dans certaines choses, où on dit ça, c'est le contraire de ça. C'est ça. Et en fait, j'ai dit ça parce que, en fait, on s'est surpris tous les deux dans la voiture quand on venait. En train de... D'aller dans la compréhension. Voilà, on était en train d'être ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire bon, je ne sais plus ce qu'on disait, et puis on dit, ben, oui, ça c'est le contrat de ça, et puis ça nous vient, mais non, ça ne peut pas être le contraire, parce que Elohim, il est souverain. Je veux dire, dans la sphère d'Elohim, eh ben, je veux dire... Il n'y a pas d'égal. Il n'y a pas d'égal, donc il ne peut pas y avoir de contraire, c'est pas possible. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que c'est vrai, les termes qui sont utilisés, on utilise pour communiquer, en fait. Voilà, mais voilà. Mais c'est vrai qu'avec l'imprégnation de la mauvaise compréhension, ces termes peuvent des fois se tourner contre nous dans leur compréhension. Oui, on est prisonniers de langage qu'on utilise, mais en même temps, spirituellement, le Père nous montre que... Voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc, et ça, au fur et à mesure que le Père... Mais c'est là même que se montre la bonté du Père. C'est-à-dire que la bonté du Père, c'est que notre esprit puisse sortir
des limites qui le caractérisent, en termes même de compréhension, d'analyse, parce que fonctionnant à partir de lui. Donc, de telle manière que les termes, même quand on les utilise, que la compréhension vienne de lui. Et ça fait qu'il n'y a pas de risque que l'autre puisse établir dans notre subconscient un rapport d'égalité entre l'ouvrage du créateur et son ouvrage. Donc, ce que dit le frère Armand est vraiment ça. Et dit-elle, enfin, je considérais ce que Paul dit à un moment donné, je ne sais plus, ça date dans Corinthiens, quand il parle des choses que le Père a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est ça. Et je pense que c'est là, mais bon. En gros, à un moment donné, il dit que c'est par l'Esprit qu'il a reçu ces choses. Ouais. Et que c'est par ça. L'Esprit qu'il les communique. Ouais. Et que ceux qui reçoivent, reçoivent par l'Esprit. Par l'Esprit, par le même Esprit. Donc, il est en train de disqualifier le vocabulaire humain. C'est ça. Mais en même temps, c'est la seule chose que nous avons pour communiquer. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, j'étais en train de me demander, mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, et ça me venait, par exemple, l'exemple que, quand je te dis sourire, le mot est peut-être imparfait, corrompu, tout ce que tu veux, etc. On peut faire un faux sourire, etc. Mais l'idée de sourire, tu n'as pas besoin qu'on te donne un lexique pour ça. Ouais. Parce que le sourire est une réalité de ton existence. On va dire, le sourire fait partie du lexique. En dehors du vocabulaire, je vais dire, c'est-à-dire de la réalité de ta vie. Et ce genre d'éléments-là dans ma vie, quand le Père utilise ça pour me parler, c'est-à-dire des choses qui sont des réalités qui ne relèvent pas du vocabulaire, etc., je sais que c'est spirituel. Enfin, c'est ma compréhension aujourd'hui de la notion de spirituel. Et quand Paul dit, c'est par l'Esprit que je reçois. Que j'ai reçu ce chose, par l'Esprit que ça veut dire que j'ai reçu ça, et je peux me l'exprimer sans aucun vocabulaire. Uniquement par les réalités de mon existence. Et c'est un peu ce que... Enfin, moi, je le dis, mais c'est un peu ce que je... Une des choses que je reçois dans l'enseignement de Luc, c'est pas tellement ce qu'il dit, même si je saisis pas tout, mais c'est le principe que quand je le vois, il me donne le sentiment que c'est sa vie, c'est à partir des choses de sa vie qui parle, en fait. Et c'est cet élément-là qui, pour moi, est une vraie instruction au-delà même de ce qu'il dit et que je... comprend peut-être pas sur telle ou telle chose, etc. Mais il parle à partir de son vécu. Et donc, si moi, je reçois peut-être cette instruction-là et que je marche dans cette dimension-là où c'est de mon vécu que je parle, la question n'est pas de savoir, à la limite, si mon vécu, là, à l'instant T, il est bon ou pas. Par rapport à ça, la question, c'est est-ce que je suis sur ce chemin-là, sur lequel le Père a appelé tous ses enfants à marcher. Mais en fait, c'est... ce langage-là qui est le langage que le Père utilise, c'est-à-dire que quand il me parle dans ce langage-là, personne ne peut le défaire. Personne ne peut enlever ce qui m'a été dit avec ce langage-là, ce n'est pas possible. Mais ce qui m'a été dit avec un mot, ben, il suffit qu'on revienne quelques temps après et on m'explique que tu sais, le mot, je ne sais pas à quel mot on va prendre dans la Bible, charisma, tu sais, ça vient du grec machin qui veut dire charis et l'autre machin. Et là, tu dis, ah oui, c'est vrai, etc. Et bien, donc, on a tout détruit avec, en jouant sur le lexique, parce qu'en fait, ta compréhension n'était pas basée sur une réalité spirituelle. Enfin, en fait, et même je remarque que quand on dit réalité spirituelle, c'est deux mots, il y a un mot de trop. Ouais, 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 ouais. Les seules réalités sont spirituelles. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de réalité non spirituelle. Sans l'esprit. Et c'est parce que nous n'avons pas compris ça que, en fait, on a aussi des problèmes de langage. Les seules réalités sont invisibles. Il n'y a pas de réalité visible. Non, ça c'est clair. Il n'y a pas de réalité visible. Les seules réalités sont invisibles. Quand je dis sourire, eh bien le sourire, quand je dis paix, quand je dis toutes ces réalités-là, elles sont, il n'y a rien de visible. Et ensuite, elles prennent forme. Hein? Voilà, elles peuvent se manifester, mais elles ne sont pas visibles. Et ce sont ces réalités invisibles-là que le Père veut me faire toucher et c'est avec ça qu'il veut me parler. Enfin, quand il y a un visage à l'œil nu. Ouais. Mais le Père les rend visibles dans ma conscience. Voilà. Nous voulons sortir de la communauté universelle, ô Père. Nous voulons sortir de la communauté universelle, ô Père. Nous voulons sortir de la communauté universelle. Viens nous sortir des limites, ô Père.